Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour faire la page numéro 5 et la page numéro 6. J'ai préparé tout en avance comme d'habitude. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Et on va travailler comme d'habitude. Je vais passer les mesures et après, moi je colle et vous voyez que les images, je ne parle plus comme ça. C'est plus simple pour moi parce que j'ai les enfants à la maison et comme ça, vous n'entendez pas le bruit qu'il y a derrière. Et vous voyez que les images comme je suis en train de coller. On va commencer avec la page numéro 5. Et on a besoin, comme toujours, notre page de fond, qui est une page à 4 qu'on a pliée en deux. On a besoin de notre rabat. Cette fois, le rabat, on va coller ici. Ça s'ouvre comme ça. C'est pas comme ça comme d'habitude. Notre rabat, il mesure 21. On fait un pli de 1 cm. Du coup, il reste que 20 cm. Et comme ça, on a 14,6. Comme ça, on a une petite marge de 1 mm sur chaque côté. Comme ça, quand on va ouvrir et fermer les pages, qu'ils n'embêtent pas le rabat. Moi, j'ai biseauté direct les ongles. Et on va coller ça ici. Ici. On va mettre un aimant ici. Comme ça, il ferme. Quand on ouvre et on ferme comme ça, il reste fermé. Et on a besoin aussi d'une place photo qu'il mesure 11,5. Avec un pli de 1, il reste 17,5 sur 15,5. Celui-là, on va mettre sur notre papier déco ici. Cet papier, bien sûr, il vient sur le rabat. Du coup, ça vient comme ça. Je colle tout ça avec, bien sûr, avec ma petite bordure, les pages déco et tout ça. Et on se voit tout de suite pour faire la page numéro 6. Mais d'abord, on va coller tout ça. Je vous laisse avec les images. C'est bon les filles, on a fini la page. On peut mettre deux photos ici, une grande ici, sinon une petite comme ça on cache pas l'image d'ici. Du coup ça fait 3. Plus ici sur le rabat ça fait 4 et ici ça fait 5. Et on a fini cette page. On va faire maintenant la page numéro 6. Pour la page numéro 6, on a besoin, je vous donne tout de suite tout. On a besoin de notre petit rabat, notre sympa rabat. On va mettre comme d'habitude sur cet côté. On va mettre le rabat comme ça. Cette page, on va mettre sur le rabat. J'ai préparé les papiers de fond qui vont venir ici et sur le rabat. Voilà. Et ici, on va faire une petite cascade. On va faire une petite cascade de 3 places photo. Je prépare tout ici. Les places photo sont un peu plus petites. Sont pas 17,5 sur 15,5. Cette fois, sont 17,5 plus 1 cm ici. Du coup, le papier, il a 11,5 avec... On va faire le pli de 1, il reste 17,5 sur 14. Ce sont 17,5 sur 14. Et on va mettre les pages, on va mettre comme ça, à côté de l'autre. Et j'ai préparé des petites languettes qu'on va coller tout le temps. Par exemple, celui-là, c'est le rabat, c'est la cascade. On dirait qu'il est collé. On va mettre celui-là ici. Après, à côté, on met le prochain. On va mettre encore une petite languette.
Voilà, encore une petite lorgnette. Bien sûr, on va biseauter les coins. Du coup, ça fait un peu plus petite. Voilà, comme ça. Et après, on met la dernière. Et tout comme ça. On va tout coller comme ça. Et pour la fermeture, j'ai préparé un morceau de papier. Pour moi, il mesure 10 cm. Et j'ai fait un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Et comme ça, il fait 6,5. Comme ça, on a la épaisseur. Et comme ça, on peut coller ici. Et il vient avec un aimant sur l'eau, sur la cascade. Comme ça. Mais on va commencer d'abord à coller ça. Et après, je vous montre pour la cascade. Après qu'on va coller ça, je vous montre sur la cascade. Comme ça, je peux bien expliquer. Je commence à biseauter mes coins. Si je trouve le ciseau, il est là. Je sais pas chez vous, mais chez moi, quand je suis en train de scraper, c'est un vrai bordel sur mon plan de travail. Sur mon bureau. Il est quand même assez grand, mais ça fait vraiment un bordel. J'ai plein de vidéos à filmer. J'ai pas beaucoup de temps parce que il faut s'occuper de la maison aussi, des enfants aussi. On a une vie à côté qu'il faut qu'on s'occupe de ça. Du coup, c'est pas trop facile de filmer, mais j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'ai plein d'idées. Je vais faire un tuto avec les fleurs qu'on a. Les fleurs de Noël que j'ai utilisées pour le dernier album, je crois. Elles sont là. Pour ça. Pour cette magnifique fleur. Je veux faire un tuto. J'ai mis tout dans le bac ici, mais j'ai pas commencé. Il faut que je fasse quelques découpes et après que je fasse des découpes avec vous aussi dans le tuto. Et j'ai encore des albums que j'ai préparés, mais il faut que je les filme. Je sais pas vous, mais moi j'ai des moments quand je veux faire des albums, mais j'ai pas des idées, j'ai pas envie, je sais pas, j'arrive pas. Même si je mets, je prends une collection par exemple que je veux scraper et je suis en train de penser, mais quel album je peux faire, j'arrive pas. Mais par contre, j'ai des moments quand j'ai plein des idées et je prends mon agenda et je commence à noter. Je commence à noter, vous voyez, tout les idées. Comme ça, je sais quel album. Comme je peux faire l'album. Par exemple, celui-là, il est fait, il est filmé, mais je ne le mets pas maintenant. Vous le voyez après. Celui-là, j'ai fait les idées. J'ai préparé l'album, mais il est dans la boîte. Il faut que je filme parce que j'ai pas le temps. Ici, c'est le dessin board daily. Vous voyez, ici, c'est une autre idée pour un autre album. J'ai plein des idées partout, vous voyez. J'ai plein et j'ai encore un bullet journal avec des idées de avant. Celui-là, il est neuf parce que l'autre, il était rempli, du coup j'ai commencé une autre. Mais j'ai des jours comme ça où des fois ça se passe la nuit. Je suis en train de dormir et je me réveille juste parce que j'ai des idées. Je me réveille, je me lève parce que je suis pas en train de dormir, mais je suis dans le lit. Et je me lève pour prendre l'agenda, comme ça je peux noter toutes les idées qui me passent dans la tête. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est chez vous ça se passe la même, c'est la même chose ou c'est moi qui je suis un peu bizarre, ou je sais pas. On a mis l'aimant. Je veux coller ça après, comme ça on passe direct à notre cascade. On va coller vite fait la cascade maintenant quand le bébé il est en train de dormir. Parce qu'après, si c'est réveil, ça va être un peu compliqué. Du coup, je profite vite fait de finir cette page avec vous. Et de papoter dans le même temps. Parce que des fois, ça me fait du bien de papoter avec vous. J'adore quand vous mettez des commentaires. J'adore quand vous me dites que vous aimez qu'est-ce que je fais. Ça me fait un grand plaisir. Quand je vois que mon travail il est apprécié,
parce que ça prend du temps de tourner des vidéos. C'est du travail. C'est du travail. Ça me fait plaisir, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous imaginez même pas à quel point. Et je suis contente parce que j'arrive à filmer et à partager tout ça avec vous. Ça me fait un grand, grand plaisir. On va mettre comme d'habitude droit. Je vais mettre la colle. La colle que j'utilise tout le temps, j'ai mis dans cette. Ça, j'ai pris chez Lidl il y a 2-3 jours. Ils ont mis plein de paillettes. Et avec les paillettes, il y avait le colle aussi. J'ai sorti tout le colle d'ici, j'ai mis dans un autre récipient parce que j'aime pas trop. Du coup, je l'ai mis dans autre chose, comme ça, je peux donner à ma fille. Et j'ai récupéré ça parce que ça coule vraiment des petites. Ça coule pas beaucoup. C'est parfait pour le colle. Et moi, j'utilise d'habitude le colle Cléopatra. Je vous montre tout de suite le colle. J'utilise ça d'habitude. Voilà. J'utilise beaucoup celui-là aussi, qu'il vient de chez Action. Pour moi, c'est le meilleur qu'on trouve chez Action. Celui-là, il est nickel. Et le the best, on peut dire, c'est celui-là. Celui-là, il colle très, 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 très bien. C'est le meilleur, celui-là. On peut utiliser vraiment partout avec aucun souci. Jusqu'à maintenant, c'est le meilleur colle que j'ai trouvé. Celui-là de Art Glitter. Voilà. Maintenant, sont où mes petites languettes sont là. Là que j'ai papoté beaucoup. On va coller ici. Oui, c'est ça. Je suis en train de vérifier parce que j'ai encore des languettes pour mettre sur les places photo. Et je ne veux pas me tromper parce que ça se passe des fois que je me trompe. Et je veux pas. Maintenant, on va coller la deuxième. Si vous entendez du bruit, c'est le télé. Il est sur des scènes animées. Comme il y a le petit qui regarde tout le temps. Il regarde. C'est plutôt pour le bruit, comme ça. Il est calme quand il entend du bruit, il est calme. Je crois qu'il croit qu'ils sont ses frères à la maison. Voilà. On va mettre encore une languette ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tout petit peu plus petite les languettes. C'était mieux, je crois, que si j'ai laissé dans la bonne dimension, mais ça va comme ça aussi, c'est pas grave. Je crois que quand j'ai fait la même dimension comme le papier déco pour les places photo, c'est pour ça. Et la dernière, j'espère que vous avez bien vu. Des fois, je commence à filmer et j'oublie de regarder sur la caméra pour voir si je suis bien centrée ou pas. J'espère que j'ai bien filmé jusqu'à maintenant.
Je sais pas comment c'est bien. Ouf, ça dépasse. Il faut qu'on commence bien plus là. Vous faites pas la même erreur que moi, vous voyez. Je fais une petite bêtise. Du coup, il faut que je coupe un peu le dernier place photo. Je fais un petit trait avec le crayon. Et je coupe. Ça se passe. Des fois on fait des erreurs, des fois on fait des petites bêtises, mais c'est pas grave, si on arrive à attraper c'est pas grave. Du coup on a attrapé, c'est pas grave. On peut mettre quand même une photo de 9 sur 13. Ouais, on peut mettre largement une photo sur 9 sur 13. Du coup c'est pas grave, mais vous faites pas la même erreur que moi. Commencez bien plus là, commencez direct avec la dernière page. D'habitude je fais comme ça, je sais pas pourquoi. Ça, je crois que c'est parce que c'est pour ça. Je me suis pressée comme ça. Il s'est réveillé pas le bébé, mais il s'est réveillé. Du coup, je vais cliquer vite fait. Ça, on va coller ici. Vous voyez pas trop parce qu'il est sur noir. Du coup, ici, c'est la première place photo. Ça, on va coller en dessous de la grande page. Et comme ça, on met un émo ici. Et on va commencer à décorer. Du coup, ça, je fais en accéléré. Comme ça, je finis vite. C'est bon les filles, on a fini cette page aussi. Un peu de galère franchement parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y avait des pages qui s'étaient pas bien coupées, la bonne dimension et tout ça. Ici on a coupé ensemble parce que j'ai fait la bêtise du mettre trop ici. Je crois que c'est mieux si vous mettez exactement sur le bord, comme ça il reste ici le place. Je crois que si vous commencez comme ça c'est mieux. Du coup ici on peut mettre 2, 4, 6 cette photo, parce que ici on peut mettre encore une 9 sur 13. Cette photo, on a ici, plus ici 2, du coup ça fait 9 photos. Mais bien sûr, on peut mettre 4 ici si vous voulez, comme vous voulez. Du coup, ça c'est tout pour aujourd'hui, les filles. On a fait la page numéro 5 et la page numéro 6. Et on va finir ici pour aujourd'hui parce qu'il faut s'occuper des enfants. Je veux pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.